avoir 32 producteurs au cours de l'été. Donc, les inscrits cette année, on en compte 32, ce qui est une légère augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, on est très contents ici à Deschambault. Sinon, comme bonne nouvelle cette année, c'est qu'on a une belle collaboration dans le cadre du 25e anniversaire de l'École de musique ici à Deschambault, Denis Arcand. Donc, dans le cadre de ce 25e anniversaire-là, on est allé chercher des fonds là, au niveau de la MRC. Peut-être que tantôt, M. Arcand en parlera plus. Donc, on a vraiment une belle programmation musicale cette année. Profitez-en. Venez écouter les bons groupes qu'on va avoir cet été. Comme je l'ai dit à tous les ans depuis le début, effectivement, pour moi, l'été commence avec l'ouverture du marché. Et d'année en année, j'ai eu le plaisir et l'avantage de voir évoluer ce marché-là. Et encore une fois, je dis toujours la même chose, ce qui amène les gens aussi. Oui, la rue est belle. Oui, Deschambault, Grondine dans le secteur de Deschambault, c'est merveilleux. C'est d'abord et avant tout la qualité et la variété des produits que vous présentez, que vous cultivez vous-même, que vous élevez ou que vous transformez. Jacinthe Meurant, vous êtes la présidente, ce qu'on peut vous appeler ainsi, du symposium qui va se dérouler le 3 août prochain ici au marché Deschambault. Oui. Parlez-nous un peu du symposium. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir là-bas? Bien, dans le symposium, vous allez voir les artistes qui sont à l'œuvre. Vous allez voir des peintres, des sculpteurs, des tisserands. Cette année, malheureusement, on n'a pas le forgeron, là, mais normalement, il est ici. Et pourquoi il n'est pas là cette année? Parce qu'il y avait d'autres choses quelque part. Fait qu'il était pris ailleurs, alors il ne pouvait pas. Mais ça se passe sur le Cap Lauzon, dans le Grand Chapiteau. Et puis, venez voir nos artistes qui sont à l'œuvre. C'est vraiment super. Ils ont des belles choses à vous offrir. Il y en a qui font des bijoux. Il y en a qui font même des bijoux en dentelle. Il y en a pour tous les goûts. Fait que n'hésitez tous les pas, goûts. Venez nous voir. Et pour quels artistes on va pouvoir voir au symposium exactement? Bien, vous allez pouvoir voir les artistes qui font de la peinture. Il y en a qui sont à l'huile, à l'acrylique. Et puis, notre présidente d'honneur cette année est Amy Morissette. Il ne faut pas la manquer parce qu'elle, là, est super. Elle a seulement que 19 ans. Et puis, elle fait des choses extraordinaires, même qu'elle nous a donné un magnifique tableau pour faire tirer. Puis, il faut absolument venir voir ça parce que c'est super. Elle fait beaucoup de visages. Puis, vraiment, là, c'est super beau. Là. Vous pouvez pas manquer ça. Madame Meurant, vous êtes présidente du symposium. Oui. J'imagine que pour vous, ça représente quand même quelque chose d'assez important. Oui, c'est quand même assez d'ouvrage parce que même si ça dure seulement qu'une journée, il faut quand même s'investir beaucoup. Il y a beaucoup de choses à penser. Puis, c'est le fun aussi de pouvoir offrir des cadeaux à nos artistes qui viennent nous encourager. Fait qu'on essaye de trouver plein de commanditaires pour avoir des sous puis pour avoir des cadeaux à leur offrir dans la soirée. Vous êtes occupé. Avez-vous le temps de dormir un peu la nuit quand même? Oui, j'ai le temps de dormir. Vous avez l'air en forme. Jacinthe Meurant, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Merci et bonne journée. On se voit le 3 août. Merci. Okay, merci. Cette année, on a lancé la campagne en février. Plusieurs levées de fonds connexes, des défis tête rasée dans les écoles, des soupers spaghettis, des tournois de balle. Vraiment, là, la communauté Portneuvoir s'est vraiment mobilisée autour de la campagne du défi tête rasée Le Camp dans Portneuf. Et on est vraiment, vraiment choyé d'avoir compté sur tout le monde. Vraiment, on est... Je suis complètement flabbergastée. C'est toujours le mot que j'utilise, mais c'est tellement approprié. On avait un objectif de campagne de 100 000 $. Ça, c'était l'objectif de campagne cette année. On a fait check. On a fait check sur la liste. On avait un objectif de présidence d'honneur. Déjà, on s'était dit, les montants globaux, on aimerait ça aller chercher un 30 000 à 3. Check sur la liste. Ça va bien. On a un record. En 9 ans d'existence, on avait un record l'année 2. On a eu au-dessus de 200 participants en tout et partout dans tous les défis tête rasée. Et on avait un record de 105 000 $ pour la campagne dans Portneuf. Check. On a dépassé ça cette année. Vraiment. Et ça va être tout en pleurs que je vous annonce que cette année, avec les énergies, l'effort de tout le monde, on a réussi à amasser un montant de 123 000 $.
123 000 $. Elle aussi, elle voit le succès. Il y en a un seul succès. Pour commencer d'abord, je veux vous dire qu'on a eu un très beau symposium. On n'a eu que des beaux commentaires de vous autres. L'équipe, j'ai eu des beaux commentaires de l'équipe, une équipe extraordinaire qui ont travaillé fort. Je suis émue, j'ai même la chair de poule tellement que les gens me disent « Mais mon Dieu, qu'il y a du travail là-dedans, madame! » Oui, j'ai dit « Oui, c'est l'équipe qui travaille! » Alors, j'aimerais peut-être qu'ils s'en viennent avec moi. Viens-vous-en! Il y a des gens là, qui ont hâte là, de savoir qui a gagné le coup de cœur. Et ça a été très, très serré entre deux personnes, mais finalement, on a un gagnant qui est avec un monsieur avec un grand chapeau de paille en arrière, M. Denis Baudet. Félicitations. Merci. Félicitations. Hey, c'est deux identiques. Oui, alors c'est le coup de cœur. Wow. Là, c'est votre certificat et votre livre. Félicitations. Hey, merci infiniment. Alors, j'espère que vous allez merci beaucoup. J'espère que vous allez continuer à venir nous absolument, voir. Absolument, vous êtes une superbe équipe. Là. C'est agréable d'être avec vous la fin de semaine. Là. Vraiment, oui. Vraiment du fun. Puis il y a beaucoup de gens, ça bouge bien. Ça, c'est achalandé continuellement. Du monde de partout. Ah oui, très, très heureux d'être venu. Puis on revient l'année prochaine, c'est ça? Oui, bon. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez, on sort un petit peu de tout, mes chers amis. En ce magnifique lundi. Oh oui, ça va être un beau lundi, François. Et pigé. Alors, êtes-vous prêts là, pour des balles anti-stress?
Bonne fête. Je fais une annonce au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt. Une annonce importante, puisqu'il s'agit d'un montant de près de 26 millions de dollars qui vont être attribués aux 18 municipalités de Portneuf. Cet argent va provenir du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, un programme qu'on appelle communément dans le jargon que les municipalités connaissent et aussi les députés, programme TEC. Le précédent programme, il y avait eu un programme tel que celui-là par le passé, prenait fin le 31 décembre 2018. Donc là, eh bien, on le reconduit. Il faut savoir que c'est en partenariat avec le gouvernement fédéral. Par le passé, dans donc, le précédent programme, le comté de Portneuf avait reçu 19 millions, un peu plus de 19 millions. Et donc, pour la nouvelle période qui s'échelonne de 2019 à 2023, c'est 6 millions de dollars supplémentaires qui seront accordés aux municipalités de Portneuf. C'est un programme qui est fort attendu par les municipalités, très apprécié aussi. Il permet finalement aux municipalités de prévoir des engagements plus à long terme, puisque comme je vous le disais, ça s'échelonne de 2019 à 2023. Le programme rembourse 100% des dépenses admissibles effectuées par les municipalités, sous réserve de certaines priorités qui sont exigées par le programme. On a toujours utilisé cet argent-là pour les infrastructures eau potable et égout. Toujours depuis 1995, si je ne me trompe pas. Donc là, a priori, ce serait la même. C'est toujours la même priorité qu'on garde. Oui. Certaines municipalités qui sont plus petites ont déjà répondu à ces premiers critères. Donc en fait, ça c'était le premier critère, mais ils passent au second. Et puis ils peuvent aller, il y a des petites municipalités où ces problèmes de réseau d'aqueduc et réseau d'égout sont réglés, entre guillemets. Ils vont pouvoir consacrer plus de sommes au réseau routier, par exemple. Donc, c'est une formule de 10 ans. Donc le but d'aujourd'hui, c'est que, à quelques, il nous restait un petit peu de sous. On a donné des montants d'argent après quelques années pour le parc des Berges, on a donné aussi pour d'autres organismes, on a donné aussi pour le parc de la Jacques-Cartier. Il nous reste, après 10 ans, officiellement, on va former le syndicat va former officiellement, parce que les jeunes ont formé le 10 ans, le syndicat va former en septembre cette année. On était un syndicat de 1937, donc on était un syndicat incorporé. Les sous qu'on a ramassés depuis des années, on a décidé en fermant des données à la communauté. On a fait des dons après quelques années pour le parc des Berges. On a fait des dons aussi après quelques années pour le parc de la Jacques-Cartier, un beau projet mené par les villes de Donnacona et la ville de Cap-Santé. C'est un super de beau projet. On est bien fiers de ça parce que ça situe ce beau projet-là sur les terrains de l'usine. Le parc des Berges, ceux qui s'en rappellent, ceux qui sont mon âge un petit peu plus jeune, ou un petit peu plus vieux peut-être. Donc le parc des Berges, on venait jouer ici. Vous vous rappelez? Il y avait du beau, il y avait la pitoune qu'on appelait. On venait se promener sur les bords, on pêchait. La rivière était bien importante, le fleuve aussi. Pour une usine de pâte et papier, l'eau, c'était important avec le barrage. Mais aussi pour la flottation du bois. Le bois arrivait par la rivière. Donc, on venait jouer ici. Il y avait un petit lac. On venait jouer avec un radeau et du bois. On se promenait sur les bords. Donc, c'est super important pour les travailleurs de Donnacona, ce site-là. Puis le projet que les deux villes sont en train de mener, on y tient beaucoup. C'est pour ça qu'on a voulu nous donner à la communauté. Donc aujourd'hui, je ne lirai pas le texte, je vais trop parler, donc je ne le lirai pas. Je vais le donner aux journalistes. Donc aujourd'hui, le but c'est de donner un autre montant d'argent, il nous reste encore un petit peu de sous, au parc des Berges. Donc aujourd'hui, je vous remets un montant de
30 000 $ au président. Je vous remercie beaucoup. Ça me touche énormément, les gens du comité de parc des berges. Moi, je suis dans le comité dès le début. Ceux qui se souviennent, c'était Mme Pierrette Gérard qui a parti du comité il y a au-delà de 25 ans. Il y a Fernand Borel qui est encore avec nous. Fait que c'est pas le premier appui que le syndicat nous donne. Juste entre autres, les argents qu'il nous a donnés nous ont permis de restaurer le pavillon ici. Fait que c'est avec grand honneur qu'on va suivre les traces que le syndicat, qu'on apprécie énormément. Puis vous pouvez vous assurer que ça va être pour l'amélioration du parc ici que pour le projet de Cap Santé de Nakano. Un gros merci, c'est apprécié. Merci d'être venu pour tout le monde. Là, c'est la 26e édition. J'ai une nouvelle équipe. Il y a une nouvelle équipe en poste. Il y a quand même plusieurs nouvelles personnages qui sont avec nous autres. Là. Un gros merci parce que c'est continué le festival la pétanque. Fait que aujourd'hui, on va faire la présentation. Les députés sont ici, M. Caron et M. Joël est là. Michel et M. Godin. Fait qu'on va les présenter et on va faire le lancer officiel pour la boule avec la maire, M. Léo Gignac. On va aller sur le terrain 2. Bienvenue à tous les joueurs de pétanque du comté de Portneuf, même en dehors. Il y en a qui viennent de Québec et de Montréal. Et puis, ça nous fait bien plaisir de voir que tout le monde est là matin. Puis, ça continue pour la 26e année. Puis, merci aux bénévoles pour cette organisation-là. Bonne journée. Je sais que vous avez des fourmis dans les jambes et que vous avez hâte de chacun lancer la boule. Alors, je vous souhaite une belle journée, un bon succès au festival et puis au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, bonne journée. Je peux vous dire qu'on est fiers que Saint-Gilbert reçoive la 26e édition du Festival de la pétanque. Soyons fiers de cette activité-là. Saint-Gilbert rayonne ce week-end parmi tout le territoire de Portneuf-Jacques-Cartier et ailleurs. J'ai rencontré des gens de la Beauce tout à l'heure. Alors, soyez fiers, passez un bon tournoi, amusez-vous. Et en passant, en terminant, je veux dire que le nouveau comité organisateur permet de continuer dans le temps ce bel événement. Et je pense que Robert en tête et tout son comité organisateur méritent une bonne main d'applaudissements. Bon tournoi! Nous sommes 84 membres engagés dans le développement de notre milieu. Cette fête, initiée par Nautisme Québec, est dans le but d'initier les gens au nautisme. Chez nous, ça se traduit par des tours de bateaux, voiliers, moteurs, organisés par nos membres bénévoles. C'est aussi notre salon des membres, dans lequel on offre des apprentissages de nœuds, des expositions diverses, des amusements pour enfants et la présence aussi des plaisanciers de la barque. À la ville de Portneuf, on a continué à travailler très fort pour faire en sorte que cet endroit-là ici, là, qui est distinct, puis comme Nathalie se plaît à me le dire régulièrement, qui est distinct à cause de la marina, qui est distinct à cause du site, bien, on s'investit nous autres aussi. On arrive à ça, et pas plus tard que cette semaine, en assemblée préparatoire avec mes confrères au conseil, je leur ai annoncé qu'on avait une priorité à faire, c'est de développer notre lieu, notre beau lieu qui s'appelle Portneuf, avec une marina extraordinaire. J'ai déjà dit en entrevue je vais m'attacher sur le quai de Portneuf si une pelle mécanique, un grader, permettez-moi l'expression anglaise, là, qui vient ici pour le démolir, je vais m'attacher sur le quai. C'est un de mes engagements que j'ai fait en 2015. On a travaillé avec le ministère des Transports du Canada. On a évolué, on a avancé, on travaille avec la municipalité. Il y a eu des barges qui sont venues cet automne prendre des carottes, communément appelées des carottes, pour voir la situation sous l'eau. Et on travaille avec Transport Canada. Bravo! Et donc, on attend ça et je peux vous assurer que Geneviève Guilbeault me parle souvent du quai de Portneuf. D'ailleurs, dans ce sens, j'ai invité mes collègues du caucus de la capitale nationale à tenir notre réunion de caucus ici cet automne. Je remercie d'ailleurs Madame la Commodore et toute son équipe d'accepter de nous prêter le salon. Ce sera une belle occasion de démontrer à la fois à Geneviève Guilbeault, mais
à nos ministres, à nos députés de la capitale nationale, à quel point cet endroit est magnifique. Conseillère municipale à Cap-Santé. Au nom de la ville, je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième édition de Cap-Santé Fête le fleuve. C'est une journée familiale, c'est en collaboration avec le comité de la politique familiale, en fait, que ça se fait cette journée-là. Fait que je vous invite à profiter des lieux, puis du beau temps surtout, c'est super, on a une super de belle journée. Fait qu'on a Éric Doré, le food truck, qui vend les petites choses pour luncher tantôt, si ça vous tente. On a l'unité mobile 05 ans aussi, qui vont faire un peu d'animation avec les jeunes. On a le club chasse et pêche, qui est là aussi pour parler justement de la pêche sur le fleuve, puis des activités. On a aussi Marie-Ève Royer, qui est là, qui va nous parler un peu de défis sportifs pour... De la nage sur le fleuve Kayaké qu'elle va faire au mois d'août, je pense que c'est le 18 août, c'est l'activité. Fait que promenez-vous, on a le général Patente qui est là pour les activités, avec l'activité cerf-volant qui s'en vient dans quelques minutes avec les jeunes. Ils ont confectionné des beaux cerf-volants au terrain de jeu cette semaine, fait que ça va être l'envolé dans quelques minutes. Sa technique en réadaptation physique, elle a toujours eu un intérêt particulier pour la littérature et l'écriture. Elle a donc fait une maîtrise en création littéraire, tout ça à travers ses enfants, sa réadaptation physique, etc. Ce qui l'a amené naturellement à écrire. Elle a publié pour les adultes présentement 4 nouvelles, un roman et un récit qui était à propos du décès de sa petite sœur Liliane, à qui on fait un petit bonjour aujourd'hui tout spécialement. Il y avait aussi, pour les enfants, elle a écrit 13 romans jeunesse, 2 albums, dont 2 romans ont été même traduits en espagnol, plus précisément en Colombie. C'est quand même quelque chose. Alors, pourquoi je prends le temps de détailler tout cela? Si vous savez compter, eh bien, Claudine célèbre aujourd'hui sa 20e parution. Et oui! Quelques mots sur le roman « À Paris avec Clem ». C'est le 3e d'une trilogie. Donc, le premier, c'était « Les bouffonneries de mon grand-père ». Le 2e, c'est « En camping avec mon farfelu de grand-père ». Et le 3e, c'est « À Paris avec Clem ». Dans le premier roman, on avait Charles, le personnage qui est un joueur de hockey. Puis son entraîneur s'est blessé, donc l'équipe de hockey n'a plus d'entraîneur et c'est le grand-papa qui va être entraîneur de hockey. Charles est un peu déçu parce que son grand-père, il l'adore comme grand-père, mais comme entraîneur, il a des doutes, puis il a raison d'avoir des doutes parce que le grand-papa, il dit, puis il fait des niaiseries, fait que Charles est un peu gêné. Donc ça, c'est le roman numéro 1. Dans le roman numéro 2, c'est les deux mêmes personnages, donc Charles et le grand-papa, qui s'en vont faire du camping au Nouveau-Brunswick, sous la tente, puis amener sa vieille tente 1940, parce que lui, il aime les vieilles affaires, comme mon père. Donc, c'est le deuxième. Où, à son extrémité, on distingue l'arc de triomphe. Les commerces de toutes sortes bordent cette artère populaire. Des restaurants, des parfumeries, jusqu'aux concessionnaires automobiles comme Mercedes-Benz et Peugeot Citroën. C'est fou, on est sur l'avenue des Champs-Élysées. C'est bien différent de ce que j'avais imaginé. Ça n'a rien à voir avec les champs de blé de ma campagne.
Trop excitée d'être à Paris, Clem se met à fredonner. Oh, Champs-Élysées, parapapin, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, vous trouverez tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à la 9e ouverture officielle de la CISC Saint-Raymond-Saint-Léonard. Je me présente Adeline Vairo et c'est ma première année d'implication dans cette coopération. Cette année, je suis la présidente de notre coopérative. Mon rôle en tant que présidente est d'animer les conseils d'administration et j'aimerais remercier Élodie Paquette, la vice-présidente, de m'aider pendant les réunions. Ensuite, je représente la CISC et je suis sur le comité exécutif avec Élodie Paquette, ma vice-présidente, et Michael Persson, ma secrétaire. Cette année, je suis confiante que le projet se portera bien puisque nous avons une superbe équipe et que tous les membres sont très impliqués. Mes collègues du comité finance sont Robin Turgeon et Étienne Moras. Notre mandat en tant que membre du comité finance est de s'assurer que la gestion des finances de la CISC se fasse de manière exemplaire, de faire un suivi financier avec nos clients et de faire résumer nos activités lors du conseil d'administration. Pour conclure, nous sommes fiers d'écouter ce poste qui nous apportera une grande expérience en finance. Merci et bonne soirée. Donc, je me présente vite. Mon nom, c'est Mathieu Morin. J'ai 23 ans. Je viens de finir mon bac en enseignement des sciences au secondaire. Donc, c'est ma troisième été que je fais partie de la CISC et probablement ma dernière. Une des raisons pourquoi que je reviens encore cette année, c'est que j'adore travailler avec les jeunes. Il y en a plusieurs là-dedans que j'ai côtoyé à l'école et que j'ai enseigné soit les sciences ou les mathématiques. Et je savais qu'il y avait déjà beaucoup de potentiel. Ensuite, moi, dans la vie, ben, j'ai fait toujours des jobs comme aider les jeunes à faire des cours de natation, travailler à l'école, donner des cours de ci, des cours de ça. Et j'ai jamais vraiment touché au service à la clientèle. Donc, j'ai pris un malin plaisir ces trois dernières années d'aller voir les clients, de découvrir quelque chose que j'ai jamais vraiment fait. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Donc, cette année, c'est ma première année en tant que coordonnatrice à la CISC. Mais je suis vraiment fière parce qu'il y a 9 ans, quand la CISC a débuté, ça s'appelait CJS. Et j'ai fait partie de les deux premières années de la CJS en 2011-2012. Je suis vraiment fière de pouvoir redonner aux jeunes cette année. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais prendre la place des coordonnateurs, que quand que j'étais jeune, j'étais comme « Hey, ils sont cool mes coordonnateurs, un jour je vais être pareil. » Ben cette année, c'est moi la coordonnatrice, je suis vraiment contente.